ici, salut les amis. Donc, je viens de sortir une petite monnaie là, dans ce trou là. Donc, je suis en train de sauter un chemin, une petite forêt là. Et puis il y a eu un bon son, donc j'ai sorti ça. Je sais pas trop ce que c'est. Voilà, ça peut être un DT. Ça, par contre, c'est un espèce de gros frelon. Voilà. Voilà, un DT, mais. Fatigué comme on a l'habitude de les avoir ici, malheureusement. Bon, je coupe parce que je me fais attaquer vraiment par un gros front. Voilà, à tout à l'heure. Ben, salut les amis, c'est Léo. Là, je suis avec Titi et Doudoune. On est dans un champ. Calme. L'herbe est assez. Enfin, l'herbe. La paille est encore assez haute, donc c'est difficile à chercher. Moi, j'aurais rien dit là, j'ai pas crié, mais regardez ce que vient de sortir. Regardez bien. On la regarde ensemble. On le trou qui est là. Hein. Voilà, on la regarde ensemble tous les deux. Enfin, tous ensemble. Crac, là. Ah, c'est un bouton. Enfin, c'est une monnaie, mais c'est un bouton. Voilà. Un bouton qui est. Ouais. Un bouton. Bien fatigué. Tout à l'heure. Ah, un mauvais sourire. Ouais, salut le Fofo. Et voilà. Hein. Nous, bah, on demande des autorisations et puis pas n'importe qui. Hein. Enfin, surtout Titi qui a pris le courage d'y aller. Alors on sait pas, on va voir. Il arrive. Il va nous dire ça. C'est magnifique. Hein. Il va nous dire ça, mais ça restera secret. Bon, nouvelle vidéo les amis, bon le trou était là-bas. Voilà, un peu bizarre. Le trou était là-bas, j'ai trouvé une toute petite monnaie, mais alors je vous dis pas. Fragile comme tout, qui se casse comme du verre. De la vraie porcelaine. Je sais pas ce que c'est. Mais voilà, c'est une monnaie. Quoi. C'est une monnaie. Mais alors là, je vous dis pas. De la vraie porcelaine, peut-être un DT. Voilà. Tout à l'heure. Bah écoute, je sais pas c'est quoi comme monnaie. Ouais les amis, je rallume parce que du coup le détecteur il me refait la même là. À côté, alors est-ce qu'on va assister à une deuxième boursée en direct, je sais pas. On verra bien. Bon, je vous reprends. Voilà les amis. Je l'ai à la boursée. Deuxième boursée hein, en 3 sorties. Donc elle est ici la monnaie. Éclairée par l'ami Pollux juste à côté. Et là par contre on va voir ce que c'est Pollux. La patine est merveilleuse. Ça a l'air d'être du napo, ouais. Attends. Oh non. C'est non. Napo, c'est du denier, ouais. Ça ah, les épaules, je suis sûr que c'est 30 centimes la pente. Ah putain, elle est belle. Regarde ça. Waouh, waouh, attends. Quelle flèche. Ah, elle sort bien. Ah, elle va bien sortir. Oh là là, regarde ça, regarde. Ah, comment elle se nettoie, regarde. Ah, c'est du métal de cloche. Ouais, mais putain. Regarde ça, regarde comment elle sort. Ah, elle est belle. Oh là là. Elle est belle, tout là. Waouh, elle est magnifique! Putain! C'est une Française ou François? Attends, je la filme. Yes. Ah, je reprends super. Après, les gars. Ah, super monnaie, super boursée aussi. Tout à l'heure. On continue en fait sur la boursée parce que ça sonnait juste à côté, mais c'est pas une monnaie a priori, c'est petit. C'est petit, c'est l'ami Poilux là qui est en train d'essayer de regarder.
Attends, j'en profite, je vais voir son dé à coude. Voilà. Hop. Ah, ça sonne, non? On entend. Pas du gros. Bon, moi, c'est une monnaie et deux monnaies. Donc, une loulou qui est fou. Tip top. Non, c'est minuscule. On est sûr que c'est pas une monnaie, c'est pas une boursée de 3 déjà. Ah. Un petit clou. Ça, ça se prend bien, je peux vous assurer. Bon, allez, tout à l'heure. Pendant qu'on y est, pour ceux qui ont le même détecteur que moi, moi c'est un gamin, c'est un Technetix. Voilà, moi je vous fais voir les réglages que j'utilise en forêt. Donc sensibilité, s'il n'y a pas trop de reflets, oui, on va voir. Donc là, 90. Puisque level, je le mets à 0. Donc 8, c'est très bien. Je n'utilise pas. Toujours 3 tons. Pour les fameux sons de cloche, pour ceux qui me connaissent, je le dis souvent, voilà. Yes, et puis en volume, bah, ça dépend de votre casque et de vos oreilles. Voilà. C'est avec le reflet, on peut y aller. Allez, à tout à l'heure.